rue Neuve. Méconnaissable, la rue Neuve à Vernoux-sur-Brenne, transformée en torrent. 24 heures après, les habitants reprennent le cours de leur vie après avoir eu très peur. Il y a une cuve et une voiture inondée. Dès que la pluie s'est arrêtée, que l'eau a baissé un petit peu, tout de suite, on est tous sortis pour voir ce qu'il y avait. On a vu l'étendue des dégâts, quoi. On était impressionnés, quoi, parce que ces trous énormes dans la chaussée, là, c'était vraiment impressionnant. Et un sentiment, on est un peu désemparé, quoi. On ne sait plus quoi faire. L'eau est montée 2 marches plus haut qu'il y a 30 ans. Le bassin de rétention construit en 1988 après une première inondation n'a pas pu absorber la quantité énorme de pluie. Les entreprises qui d'elles-mêmes sont venues se proposer pour nous aider et toute la journée ils ont travaillé avec leurs gars et puis les gars des ateliers municipaux pour pouvoir réparer et rendre cette rue plus ou moins praticable. Actuellement, on arrive à circuler dessus. Les riverains de la rue Neuve attendent désormais la visite de leurs assureurs et le maire de Vernoux-sur-Brenne a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Réponse en juillet.